Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Exceptionnellement les amis, je ne vous retrouve pas pour un épisode d'Histoire de guerre, mais pour un documentaire d'exploration. Il y a 4 ans, on s'est intéressé à un lieu insolite. Une ville fantôme située à quelques centaines de kilomètres du pôle Nord. Cette ville s'appelle Pyramiden, et il s'agit d'une ancienne colonie minière soviétique construite dans un des endroits les plus reculés du monde. On a tenté d'y aller pendant plusieurs années, et cette année, enfin, on a pu y mettre les pieds. Le film que vous allez voir raconte donc l'étrange histoire de cette ville fantôme du pôle Nord, à l'aide de nos images tournées sur place, ainsi que des archives rares et parfois même inédites. C'est un projet qui nous a demandé beaucoup de temps et beaucoup d'énergie, et il n'aurait jamais pu voir le jour sans Inconnie, le partenaire de cette vidéo. Inconnie, c'est une solution qui vous permet de supprimer vos données personnelles en ligne. En effet, lorsque vous naviguez sur Internet, de nombreuses entreprises collectent vos données personnelles pour ensuite les revendre. Et bien souvent, ça se passe sans même que vous vous en rendiez compte. Légalement, grâce à la loi RGPD, vous pouvez contacter ces entreprises pour leur demander de supprimer vos données. Mais en pratique, c'est très long et surtout fastidieux. Et c'est pour ça qu'Inconnie existe. C'est un site en ligne qui vous permet d'automatiser le processus et qui s'occupe de toutes les démarches à votre place. Le fonctionnement est très simple. Vous créez un compte, vous renseignez votre adresse email et Inconnie s'occupe de tout. Ils vont lister les bases de données qui contiennent vos informations personnelles et vont eux-mêmes contacter ces entreprises pour les faire supprimer. J'ai fait l'essai de mon côté et ça a été très fructueux. Mes données personnelles figuraient dans pas moins de 50 bases de données et grâce à Inconnie, j'ai pu les faire supprimer de la plupart d'entre elles. Les amis, si jamais Inconnie vous intéresse, sachez qu'avec le lien qui figure dans la description ou avec le code MAMITWINK, vous bénéficiez de 60% de réduction sur l'abonnement. Évidemment, c'est garanti, satisfait ou remboursé les 30 premiers jours. Un grand merci à Inconnie d'avoir sponsorisé cette vidéo et je vous propose sans attendre de découvrir notre documentaire dédié à Pyramiden, la ville fantôme du pôle Nord. Octobre 1998. La montagne en forme de pyramide s'est drapée de son manteau blanc. Le long crépuscule qui précède la nuit polaire s'est déjà installé. Le cri strident du blizzard résonne dans les artères vides de la cité. Les quelques habitants encore présents vivent leurs derniers jours sur l'archipel des confins du monde. Un an plus tôt, la Russie a décidé de fermer Pyramiden, son ancienne colonie minière installée au Svalbard, à seulement 1250 km du pôle Nord. Dans quelques jours, les ultimes habitants de cet ancien joyau de l'ère soviétique auront quitté l'île. De la florissante cité minière, il ne restera plus que des rues vides, une école plongée dans le silence et une mine abandonnée par ses ouvriers. Mais avant de devenir la ville fantôme du pôle Nord, Pyramiden a été l'un des fleurons de l'Union soviétique. L'histoire de Pyramiden démarre au début du XXe siècle. En 1920, le traité du Svalbard est signé. L'archipel devient officiellement un territoire de la Norvège. Mais tous les pays ayant signé le traité ont également accès à l'exploitation de la région. Ainsi, après la fin de la Seconde Guerre mondiale, les Soviétiques débarquent sur cette terre reculée. Bien décidés à exploiter cette région riche en ressources naturelles, l'URSS envoie 600 explorateurs bâtir une colonie. Sur ces îles du bout du monde, là où ne se trouvait que de la glace à perte de vue,
commencent à pousser des maisons en bois, puis de véritables immeubles. C'est la naissance de Pyramiden. Mais ce qui n'était qu'une colonie minière perdue au milieu de l'Arctique se mue au fil des années en une ville modèle, symbole de l'utopie soviétique. Car Pyramiden doit être une vitrine pour le monde entier. La cité florissante doit prouver à l'Occident que le modèle soviétique peut être exporté, même aux confins du globe. Alors à Pyramiden, tout est presque parfait. L'école ou les soins hospitaliers sont gratuits. Les mineurs et leurs familles, souvent originaires du Donbass en Ukraine soviétique, sont logés dans des immeubles de bonne facture. Des serres sont érigées afin d'y cultiver des fruits et légumes. Des étables sont construites pour avoir de la viande fraîche. Les colons ont même droit à un terrain de football, un centre sportif avec sa piscine chauffée, une bibliothèque, une discothèque ou encore un cinéma. Mais au-delà d'être une ville modèle, Pyramiden dispose d'une particularité qui la rend très importante. Elle se situe en territoire norvégien, un pays du bloc de l'Ouest. Et depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, une période de tension et d'hostilité oppose les États-Unis et l'URSS. On l'appelle la guerre froide. C'est un affrontement idéologique entre deux camps. Un conflit technologique et une course à l'armement où le bloc de l'Ouest, sous l'égide des États-Unis, et le bloc de l'Est, mené par l'URSS, s'affrontent. Chaque bout de terre est donc une bonne raison d'étendre son influence, même ce territoire hostile aux portes du pôle Nord. My name is Johan. I'm originally born in Kramatorsk, but raised in East Germany. I came here to Pyramiden on September 26, 1997, for the first time. I was first working in construction, repair works, road work. I have not been since 1997 permanently in Pyramiden. I came back in 2004. Because a place like that, you always come back. You like it or not, so it has some certain attraction. I was actually coming first to Barentsburg when I worked on in 97 on Svalbard. I was there in 2 weeks, and anyone told me, you have to go to Pyramiden. The settlement of Pyramiden always was a special place. You felt like a family. One of the reasons, almost no apartment buildings had kitchens in the beginning. So everyone went to the canteen and have their meals. And you see, during the meal times, you see a lot of people and you are here a week or two and you know anyone. Pyramiden, non seulement tout le monde se connaît, mais tout le monde travaille au même endroit, à la mine. C'est la raison d'être de la colonie. Car l'immense montagne en forme de pyramide regorge d'un important gisement de charbon. Extraire ce minerai, c'est donc le travail de centaines de mineurs qui se relaient jour et nuit, été comme hiver. Chaque année, plus de 200 000 tonnes de minerai sont extraites des profondeurs de la montagne. Une partie sert à alimenter la ville en énergie et le reste est envoyé en Union soviétique. Mais aujourd'hui,
La mine n'est plus qu'un vaste complexe abandonné où la nature a repris ses droits. Здравствуйте, дорогие друзья! Мы начинаем передачу для отъезжающих полярников. Они покинут пирамиду и возвратятся на родину. The ordinary working day of the miner started, of course, in the communist days with the radio announcement. We had television, but we had a local radio station called the latest news. After breakfast, you went to the miner's bath, where you changed your clothes from street clothes into working clothes. You had a briefing. Then you boarded the railroad car. It took you up to the mountain. The trip lasted 7 minutes. Once you exit the railroad car on top of the mountain, you had a chance to take a last smoke. And you started working to your working place where you put out the coal, the different mining chambers, all after what team you belong to. You worked in the mine about 3.5 hours. Then you went to the shower, to the sauna, and then you had went home. Most of the people did not, when I was working here, did not sit home only watching television. We had much anticipated cultural activities, dancing clubs, musicians, and sport activities. Novembre 1989, Berlin, Allemagne de l'Est. C'est la fin du mur qui a séparé la ville en deux depuis près de 30 ans et a été le symbole de la division du monde entre le bloc de l'Ouest et celui de l'Est. Au beau milieu de la nuit, des milliers de Berlinois se rendent au mur. Ils attaquent le béton à coups de pioches et de grues, escaladent la frontière qui sépare la RDA et la RFA, l'Allemagne de l'Ouest et de l'Est, depuis des décennies. Des scènes de liesse éclatent. Des musiciens sortent spontanément leurs instruments et se mettent à jouer. L'événement historique marque le début de la fin d'une ère. Après plus de 40 ans d'existence, le bloc de l'Est implose. Les pays satellites de l'URSS étant tous devenus tour à tour indépendants. Puis, 2 ans plus tard, le 25 décembre 1991, c'est l'Union soviétique qui s'effondre. L'événement est un véritable séisme dans le monde entier. C'est la fin de la guerre froide qui aura opposé les blocs de l'Est et de l'Ouest pendant plus de 4 décennies. La chute de l'URSS atteint également Pyramiden. La colonie est rattachée à la nouvelle Fédération de Russie. Mais la cité, autrefois vitrine de l'utopie soviétique, devient vite un fardeau. Car l'ancienne ville modèle du Kremlin coûte cher et n'est pas rentable. C'est le début de sa lente agonie. When I came here in September 1997, the decision was already made that Pyramid will close. And you could feel it. It had impacted the people. Because anyone felt sorry, anyone felt so sad. But the decision was made and it was a not returnable decision, of course. En 1996, un drame fait basculer définitivement le destin de Pyramiden. Un avion qui transporte 130 mineurs et 11 membres d'équipage s'écrase à l'atterrissage. Les 141 passagers meurent sur le coup. Le crash tue 1 habitant sur 7 de Pyramiden. C'est le dernier clou dans le cercueil de l'ancienne cité minière.
And these 140 people were many people who had key knowledge and key functions in this settlement, and they were simply impossible to replace. À la fin de l'année 1997, le verdict tombe. La mine fermera ses portes dans quelques mois. Pierre Midon est condamné. До свидания, друзья, до свидания. Дай вам Бог поднять. Давай. Поднять последний тост для тех, кто в мороз пургу под северным сиянием продолжает жизнь без женщин и утех. Дома ждут тебя, друзья, и ждут семья. Дома солнышко светлее и теплее. Но признайся, что, конечно же, не зря. Два полярных года жизнь твою задели. До свидания, друзья, до свидания. Дай вам Бог увидеть снова материк. Разрешите пожелать вам на прощание счастья, радости. Le 31 mars 1998, le dernier wagon de charbon sort de la mine et les derniers habitants plient bagage. Pendant près de 50 ans, Pierre Midon aura servi de vitrine à l'utopie soviétique. Car l'URSS était prête à tout pour prouver au monde que son idéal de société était le meilleur. Quitte à venir installer une ville aux portes du pôle. Une ville modèle qui n'aura pas survécu à la chute de son empire protecteur. Une ville modèle devenue aujourd'hui la ville fantôme du bout du monde. The ghost town it was from 2002 till 2004 because there were no one here. But until 1999 it was not a ghost town because I was here alone. Winter 1998-1999, the only person here in 60 kilometers around. That's what I do every morning at 5 or 6 o'clock in the morning. I take a round around the settlement, make sure everything is okay, make sure the water in the rivers is acceptable, and of course checking for the polar bears. I was especially chosen for be the guard because I'm not an alcoholic. I have a hunting experience. And I have two healthy hands. I can do many things. Many people think when you're living alone, you go crazy. You simply don't have time for that. Half of the day only to supply you with water, with firewood, and you have to go every day inspection round, make sure the wind has not opened any windows. If there's open, close them again. So you don't have time to get crazy because there's so many things. You have to do them all. You have to be mental. You will not receive any news. You are on your own. You have to be able to care of yourself. If you have tooth pain, you have to be able to do it one way or another. It's not just going to the dentist. He's far away in Longyearbyen, 60 kilometers. It's hard work.
It's not just laying on the couch and eating. No. Припорошена снегом, приукрытая тучка, приодетая словно невеста в поту. Я тебя никогда, никогда не забуду. Пирамида в снегу, пирамида в снегу. Я тебя никогда, никогда не забуду. Пирамида в снегу, пирамида в снегу. Сколько разных имен, адресов и наречий.